Je suis allée avec des enfants en camp de vacances et j'ai emmené les adolescentes au musée de la Grande Chartreuse. Et là, je suis sortie du musée en me disant, si j'étais un homme, c'est là que je rentrerais. J'ai senti une paix profonde dans mon corps. Una paix que est inexprimable, inexprimable, oui. Elle est le seul amour de ma vie. C'est vraiment pour Dieu seul qu'on vient. C'est toujours le point sur lequel on doit être le plus attentif. Est-ce qu'il y a un appel du Seigneur? Saint Bruno dit, beaucoup voudraient venir, mais ils ne sont pas appelés, ils n'ont pas la grâce pour ça. Et même certains essaient, et puis ils n'ont pas reçu la grâce du ciel. Donc pour nous, Chartreux, je crois qu'il y a vraiment un double appel, en tout cas moi je l'ai vécu comme ça, un appel à la vie consacrée et un appel à la Chartreuse précisément. C'est l'expérience qui va montrer aussi si la personne peut. Si Dieu l'appelle, elle aura la grâce pour répondre. Et si elle n'a pas la grâce, c'est tout simplement que Dieu ne l'appelle pas probablement. Là aussi, je crois qu'on a à apprendre à ne pas faire attention au bruit. Il y a un bruit comme ça de surface qui nous gêne. Ben, apprendre à ne plus l'écouter pour descendre au-dedans. Et là, écouter le Seigneur au-dedans sans faire attention à ce qui se passe à la surface de nos émotions, de nos pensées, etc.
J'aimais beaucoup quand on disait que dans le baptême, notre âme était créée dans le silence. Et après, ce sont venus les bruits extérieurs qui ont étouffé cette pureté aussi, on peut dire après, avec notre histoire de péché aussi, qui ont étouffé cet silence intérieur. Dieu se manifeste. Il peut prendre tous les moyens, mais c'est sûr que les silences et la solitude sont des moyens excellents pour cette rencontre avec le Seigneur. Vraiment, si on veut l'entendre, on veut faire l'expérience de Dieu, il faut sortir du bruit. Parce que c'est une relation personnelle avec le Seigneur. C'est moi-même que je dois faire l'expérience de Dieu. C'est important d'être caché, d'être enfoui, d'être. Ça fait partie de l'appel et de notre vie. Et puis, en plus, c'est difficile de parler. C'est difficile d'expliquer. C'est même impossible d'expliquer. Le monde, on l'a au-dedans de nous. Pas par la connaissance qu'on peut avoir des événements du monde, mais par la lutte intérieure avec l'esprit du monde qui est au-dedans de nous, c'est-à-dire ce besoin de paraître, ce besoin d'efficacité, ce besoin de faire, ce besoin de reconnaissance, ce désir de tout de suite, etc. Et donc là, il y a une guerre intérieure qui nous met en communion avec tous ceux qui connaissent la guerre dans le monde, quelle que soit la forme de guerre que ça peut être. Donc il y a une compassion vis-à-vis de nos frères qui est viscérale au sens le plus intérieur possible. Mais c'est en vivant ce combat intérieur avec le Seigneur et pour lui que je compatis à ce que peuvent vivre mes frères. Mais c'est un mystère de foi là aussi, hein. On doit vraiment veiller sur cette clôture pour que la fécondité puisse être réelle vis-à-vis de nos frères. La vie du désert et la vie commune nous décapent. On n'y a plus rien pour nous cacher. Comme dit une de mes sœurs, j'aime beaucoup cette expression parce que je trouve qu'elle est très juste, elle dit « on est jeté devant Dieu ». C'est-à-dire qu'on ne peut pas échapper à soi-même et on ne peut pas échapper à Dieu. Donc il y a un abîme entre nous et il faut l'accepter. On est voué à la pauvreté en esprit, disent nos statuts, par trois fois. C'est quand même étonnant, on est voué à la pauvreté en esprit. Ça veut dire que si on
Il faut qu'on accepte de n'être rien devant Dieu qui est tout, et que ce soit ça notre bonheur. La chose essentielle pour notre vie, c'est de garder les yeux sur le but qui est l'union à Dieu seul. Et si on a les yeux fixés sur le but, on pourra marcher. Le chemin sera rude, pas le chemin du désert, il est rude et il est long, mais on sait que c'est pour vivre cette union à Dieu. On pourrait dire beaucoup de choses, beaucoup de livres, beaucoup de théologie, mais ce qui pour nous est important, c'est de les vivre, plutôt que les savoir, c'est de les participer. J'aime beaucoup la petite Thérèse parce qu'elle a retrouvé ce chemin tout simple de l'Évangile. Et c'est devenir dépendant de Dieu qui est notre Père, de vivre en dépendance de Dieu. Est-ce que nous l'écoutons, ce qu'il nous dit? C'est Dieu qui se fait homme, chair, pour nous parler. Il n'y a rien d'autre plus grand que ça. Il n'y a rien d'autre à faire que d'écouter Dieu. Chaque cellule a un jardin qui n'est... Bon, il faut marcher un petit peu pour y aller, mais il y a un jardin. Et on apprend beaucoup avec le jardinage, beaucoup de choses. C'est un grand enseignement de vie spirituelle. Et puis, ne serait-ce qu'on apprend à regarder. Il se passe des choses extraordinaires dans un jardin. C'est merveilleux tout ce qui se passe dans un jardin. Quand je suis arrivée, il y avait des vaches. Et les vaches sont restées. J'ai pas eu de motif absolu de les supprimer parce qu'elles donnent du bon lait, on fait du fromage, on fait. Alors évidemment, c'est du travail. Mais les moniales converses, elles sont quand même 7 ou 8. Elles ont besoin de ce travail. Et elles le demandent. Elles ont besoin d'un travail manuel qui soit proche de la terre, je crois, vraiment, proche de la terre. Je voulais être vraiment chrétienne, vivre ma vie chrétienne. Mais je ne savais pas du tout où. Je pensais que c'était même... Enfin, mariée. Moi, je me serais bien mariée, avoir des enfants. Normal, quoi. C'est ça qui revenait toujours, le silence. En fait, le silence et la nature. Parce que la nature m'a toujours émerveillée. Surprise, émerveillée. Parce que j'ai, en fait, dans la nature, je voyais toujours le doigt de Dieu. J'ai déjà commencé par faire une retraite. Et quand je les ai vus derrière la grille, j'ai dit, oulala. En plus, avec l'habit, j'ai dit, mon Dieu, j'arriverai jamais. Et puis finalement, une petite voix au fur et à mesure de la retraite qui me dit, non, mais t'inquiète pas, ma grâce t'aidera. Eh bien oui, et c'est ce qui est arrivé. Et c'est pas explicable, on peut pas l'expliquer ça. Et c'est quelque chose qui nous attire. Allez les pépites, au dîner. Moi, ça me fait m'épanouir quand je suis dehors, par exemple au potager ou même aux poules. Je regarde les animaux vivre et je me dis, mais c'est presque une louange au Seigneur, quoi, c'est... Et même quand je vois les légumes qui poussent, c'est incroyable. Ça pousse. Une petite graine comme ça fait une énorme plante.
C'est pas, ça peut pas être dur dans le sens que on aime, on fait quelque chose qu'on aime. On est avec l'amour, je dirais. En plus, on sait que c'est pas, ça vient pas de nous. C'est quelqu'un qui nous a choisi, qui nous a dit viens et tu verras l'histoire d'amour que tu auras avec moi en fait. Il n'y a que lui à servir. Et à travers les sœurs, c'est lui qu'on sert, en fait. C'est Dieu qui doit être le départ, le milieu et la fin de l'action, même de nos journées, quoi. C'est vraiment un amour qui nous prend et... Tout doucement, douceur, patience, mais qui est toujours là. C'est la prière. Et de découvrir que la prière est très simple parce qu'elle est une relation d'amour. De découvrir que Dieu lui-même est amour. Jusqu'à ce qu'on se trouve tout d'un coup devant lui, lui-même. On y rentre pour ne plus jamais sortir. La seule chose qu'il me demande, c'est de vouloir le rencontrer. Lui, il veut. Il veut... que nous l'aimons et si nous voulons bien et pour même nous apprendre comment aimer. Nous ne sommes pas des électrons libres qui vivons les uns à côté des autres. Une communion solitaire. C'est vraiment un paradoxe, mais qui pourtant est profondément vrai. Et je pense que, au féminin, le terme communion est très important. Plus important peut-être que solitaire. Parce que la communion ne se fait que grâce à la solitude pour nous. Si on était tout le temps ensemble, ce ne serait pas pareil. La communion, c'est quelque chose de très étrange. Je sens qu'on est unis par quelque chose d'autre, par quelque chose de profond qui nous unit. Ce n'est pas des choses qu'on a faites ensemble, c'est une vie ensemble. Il y a une vie ensemble. Alors, on est des solitaires, c'est vrai qu'on aime la solitude, mais... il faut aussi être très apte à la vie communautaire. Parce que je crois vraiment que c'est impossible de vivre en Chartreuse si on garde des rancœurs avec les sœurs toute sa vie. On empoisonne toute sa propre vie et peut-être aussi, si ça prend trop d'importance, la vie communautaire.
la Sainte Vierge ici dans les rochers, qui pour nous est importante parce qu'elle protège la vallée, elle protège le monastère, elle est là comme une mère. Pour nous, c'est très important de trouver la maternité de la Sainte Vierge. Aujourd'hui, la figure de la femme est un peu perdue. Oh mon Dieu, qu'est-ce qu'on fait de la femme? Et surtout de la maternité de la femme. Pour nous, pour une femme, c'est la maternité est très, très importante. Ce soit maternité naturelle, mais aussi maternité spirituelle. Nous sommes mères des âmes, nous qui nous avons renoncé au mariage et qui nous nous sommes donnés à Jésus. Nous sommes mères des âmes. Du tabernacle qui dit Dieu est là. Et c'est tout.